aujourd'hui, Five Nights at Freddy's dans la vraie vie. Le but, c'est que je sois dans ma salle setup, que je place des caméras partout dans mon appartement, que je fasse apparaître les animatroniques de Five Nights at Freddy's et qu'ils n'arrivent jamais à rejoindre ma salle setup. Je vous montre tout de suite mon installation. Ici, la caméra numéro 1. Voilà, caméra numéro 1. Voici ce qu'elle filme. Ce sont les escaliers devant mon appartement. Ici, il s'agit de la caméra numéro 2. Voilà, caméra numéro 2. Voici ce qu'elle filme en direct. Ce grand couloir avec toutes ces portes de placard à gauche. Ici, nous avons une porte qui mène directement à mon setup. Et enfin, trois portes. Voilà, une qui mène aux toilettes, une à la salle de bain et enfin une à ma chambre. Et enfin, la caméra numéro 3. Voilà, caméra numéro 3. Voici ce qu'elle filme. Donc en gros, elle filme une partie de ma salle setup. Et ensuite, eh bien regardez, juste ici, nous avons mon setup. Voilà un petit peu à quoi il ressemble. L'installation est désormais terminée. Regardez, les caméras dans mon appartement sont reliées à mon Minecraft. Nous avons la première caméra dans mes escaliers. Let's go, voilà, nous y sommes. Pour l'instant, rien à signaler. Une seconde caméra dans mon couloir. Let's go, j'y suis. Et là, encore une fois, rien à signaler. Mais c'est normal, c'est le début de la vidéo. Et enfin, la troisième caméra directement dans mon setup. Enfin, plus précisément, dans ma salle setup. Et ensuite, tout le restant des caméras, eh bien, ce sont des caméras Minecraft. Regardez, par exemple, la caméra 4, c'est une caméra extérieure à ma villa. Et vraiment, voilà, toutes les caméras, il y en a 28. Elles sont toutes reliées à des endroits dans la villa ou à l'extérieur de la villa. On peut en checker au hasard. Regardez, par exemple, la caméra 14, qui tout simplement filme le grand hall d'entrée de ma villa. La caméra 16, on va aller voir. Voilà, bon, c'est un autre point de vue du hall d'entrée. La caméra 25, voilà, elle est par exemple dans une chambre. Bref, vous l'aurez compris, cette tablette va être l'outil principal de cette vidéo. Une salle de surveillance au sein de la villa qui va nous permettre de checker les caméras à peu près en sécurité. Du coup, let's go. On va, eh bien, construire cette salle. Où est-ce qu'on pourrait la construire? En vrai, de vrai, je sais pas trop où est-ce qu'on pourrait la construire. Dans le grenier. C'est un peu compliqué. Dans le grenier, tu penses que ça pourrait être pas mal? Je pense en vrai, on va laisser le grenier parce que le grenier, tu vois, ça peut être une zone où il peut y avoir un animatronique qui arrive, etc. Tu vois. Moi, je la ferais plus. Je sais pas, attends, on va aller checker un petit peu. On va essayer de trouver un endroit, les abonnés. Ok, les abonnés, on a trouvé l'endroit où on va mettre la salle de surveillance. Voilà, la salle de surveillance avec, eh bien, les caméras. Voilà, là, on peut checker les caméras, etc. Du coup, ce sera ici. Voilà, ça va être ici. Et là, Jérôme va s'occuper un petit peu de l'architecture. Comme d'habitude, je vais l'aider. Et je pense que les autres aussi vont l'aider. En tout cas, on va essayer de faire quelque chose de propre. Du coup, ce que je vous propose, les abonnés, c'est qu'on construise cette salle. Et on se retrouve juste après, une fois que la salle est construite, pour vous la présenter un petit peu dans les détails. Et ensuite, eh bien, ça va commencer. Les animatroniques, voilà, vont commencer à arriver, etc. Ça va être exceptionnel. C'est bon, les abonnés, la salle de surveillance est enfin terminée. Quelle salle de surveillance? Hein, une petite salle de surveillance, voilà, pour checker les caméras et voir lorsque les animatroniques vont arriver. Hey, donc voilà, nous avons d'abord... Attends deux secondes, je présente d'abord la salle. Alors ici, nous avons du coup un premier bureau sur lequel, eh bien, Jérôme... Hélicoptère. Et aussi Jeff, voilà, vont regarder les caméras de surveillance en même temps que moi. Ça veut dire que je ne serai pas seul à regarder les caméras de surveillance. Ça va me fournir une petite aide, voilà, puisque eux aussi regardent. Eh bien, je serai au plus vite lorsque les animatroniques arrivent. Ensuite, ici, nous avons un petit coin chill, voilà, petit canapé pour se reposer. Et enfin, nous avons une dernière salle de surveillance, voilà, ici en dessous. Et du coup, dans cette salle, eh bien, peut-être que monsieur YouTube et notamment, eh bien, Jack pourraient travailler ici. Ce qui fait que voilà, ça fait 4 personnes à m'aider, 4 sièges, c'est parfait. Du coup, Diabolo, oui, tu voulais comme quelque chose. Je suis de retour et tout, tu vois, bah déjà ça fait un moment, tu vois, je suis pas venu dans tes vidéos, donc Vas-y, tu vois, pour rattraper ça, là, j'ai programmé un message, tu connais la donne, tu vois. Vas-y, attends, juste avant que tu mettes le message, je vais juste checker vite fait la caméra. Du coup, escalier, les abonnés, pour l'instant, rien n'a signalé. Je vais checker ensuite, eh bien, couloir. Petit couloir, tout à l'heure, j'ai entendu un peu de bruit, les abonnés. Et pour l'instant, rien à signaler. Et on va en finir par ma salle setup. Mais ma salle setup, voilà, y'a rien. Mais attendez un petit peu, de toute façon, je le vois assez rapidement. C'est juste sur le côté de là où je suis assis. Donc je le verrai s'il se passe quelque chose. Ok, du coup, vas-y, c'est parti, monsieur YouTube. Alors, t'es prêt? Le son va être très très fort, attention. Vas-y, ouais. Bonjour la team, c'est le Père Noël. Si tu t'abonnes pas, je ramène le copain Freddy pour venir à 3h du matin. Mais c'est quoi ça? Ok. Bon bah si vous voulez pas Freddy chez vous, abonnez-vous, activez la cloche. C'est le Père Noël avec une voix féminine qui dit ça. Eh, franchement, tu me donneras le snap du Père Noël parce qu'il a une voix très sensuelle, hein. Ouais, franchement, franchement le Père Noël, je pensais que c'était un petit papy. Franchement, t'es de la SMR, lui il ferait des millions d'abonnés. C'est un papy et tout, tu vois, un grand-père et tout. Et au final, franchement, la voix, certain, hein, elle est pas mal, hein. Bon, du coup, on va, eh bien, continuer. Alors,
Chacun son poste, chacun son poste. Non, stop, allumer et éteindre là, tu vas faire claquer l'ampoule. Ouais, c'est quoi à moi Bon, allez, chacun à sa place, chacun à sa place. Oh, stop stop avec les ampoules là, chacun à sa place. Et on va commencer à checker les caméras, les abonnés. Ça va commencer à devenir intéressant à partir de maintenant. Allez, c'est parti pour checker les caméras. On commence avec l'extérieur de la maison, voilà. Ok, caméra 4, eh bien, y'a rien. En vrai, j'ai envie de vite checker les caméras chez moi. C'est le plus intéressant. C'est là où on a envie de voir des animatroniques, tu vois, dans la vraie vie. C'est ça qui est très intéressant. Allez, let's go. On check directement les escaliers. Du coup, escalier, pour l'instant, rien à signaler. C'est marrant parce que ça arrive. Bref, on va continuer. Hey, Diablo, on va checker le couloir. Tu commences un peu à avoir l'habitude de checker des caméras. Peut-être que tu vas t'habituer à utiliser le vocabulaire technique du genre RAS pour dire rien à signaler, tu vois. Ouais, les j'avoue, signaux, j'avoue. Les signaux de police, etc. J'avoue, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Bon, allez, checker. On va checker la caméra 2 du coup. C'est parti, couloir. Ok. Ok, porte du fond qui s'ouvre, porte salle de bain qui s'ouvre. Ok, les abonnés. Je vous propose qu'on aille checker. On va aller checker. Possiblement, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Les abonnés, je prends mon portable et j'y vais. Let's go, on se dépêche. La team, d'ailleurs, vu que Diablo n'est plus là en ce moment, bah je vais vous répéter, n'hésitez pas à activer la cloche de notification et de liker. Et sinon, le goulag. Hein. Ok, je vais vérifier. Let's go. Ok, regardez, ma porte de salle de bain est ouverte. On va aller voir. Ok, je rentre à l'intérieur de la salle de bain. Ok, on va regarder derrière la porte. D'accord, il n'y a rien derrière la porte. Ok, il n'y a vraiment rien dans ma salle de bain. Wow, 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 pourquoi ma porte elle est ouverte? Oh, attendez, je vais vérifier. Rien. La porte elle a dû s'ouvrir juste derrière moi. Il n'y a rien dans mes toilettes. Ok, très étrange, premier fait paranormal. Je vais éteindre ici et on va retourner devant le setup. Les abonnés, je suis de retour devant le PC. Alors je vous explique ce qui vient de se passer, ceux qui m'aident là. D'ailleurs, pourquoi personne n'a son poste là? C'est tout le monde a déserté. Diablo, regarde mon poste. Regarde mon poste, et ici, tu vois. J'ai fait un trou dans le plafond. Pof, genre je rentre ta chambre là, je suis sur mon setup et tout. What? Ok. What? Ah non, je suis pas dans ta chambre, je suis dans la chambre de de Lucas, je crois. Non, c'est Tom. C'est la chambre de Tom. Ouais, mais bref, du coup, pour vous expliquer ce qui vient de se passer, parce que c'est un petit peu flippant en vrai de vrai. J'ai vu la porte du coup du fond de mon couloir. Ok, il y a Jérôme qui travaille, ça c'est bien. Ah non, il est en train de se battre avec. Diablo, je vais te dire un truc. Ouais, deux secondes. J'explique un petit peu ce qui vient de se passer. Je vous explique ce qui vient de se passer. Du coup, la porte de mon couloir au fond s'est ouverte. Je suis allé checker pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un derrière. Et une porte de placard s'est ouverte en même temps. Très effrayant. Voilà, c'était assez effrayant quand même. Du coup, voilà, on va. On est dans le noir, il y a une coupure de courant. Arrêtez de troll, regarde, je râle. Ouais, je vais te faire peur. Ouais, tu voulais me dire quoi, Jack? J'ai un collègue, t'as vu, il travaille et tout dans les animatroniques et tout. Du coup, t'as vu, je suis en train de communiquer avec lui sur Discord pour les informations. Ok, parfait, ça c'est top. Ok, merci Jeff. Ok, du coup, les abonnés, on est bien entourés comme vous avez pu le voir. Diablo, si t'as besoin, tu m'identifieras les animatroniques et du coup, je te dirai qui ils sont en fait. Si tu ok, veux. Vas-y, c'est parfait. Ok, alors du coup, moi je les connais un petit peu aussi, donc je vais pouvoir te dire et toi, tu vas me dire un petit peu c'est quoi ses capacités au pire, tu vois. Tu me dis un peu ce que c'est, tu vois. Ça te va? Ah, pas de problème. Vas-y. Ouais, okay, ouais, let's go. Vas-y. Du coup, les abonnés, on va continuer de checker les caméras chez moi, parce que c'est celles qui sont les plus importantes. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas grand-chose. Je pense que là, aujourd'hui, ça va apparaître d'abord chez moi, parce qu'on a déjà une ouverture de porte. Pour l'instant, il se passe pas grand-chose ici. Je regarde vite fait, hein, quand même. On a un beau visuel sur le devant de la villa. On peut checker quelques caméras, quand même, à l'intérieur de la villa. Là, c'est à l'extérieur. Je dis à l'intérieur, mais en vrai, c'est à l'extérieur. Alors, celle-ci est désactivée, puisque c'est là où il y a maintenant la nouvelle pièce. Là où il y a Jérôme et Jack actuellement. Ok, pièce ici, alors on peut mettre évidemment une vision nocturne, regardez, let's go. Vision nocturne. Bon, en vrai on retourne sur les caméras dans la vraie vie. Let's go, commencez par le couloir puisque c'est là qu'il vient de se passer quelque chose de paranormal pendant que j'y étais. Du coup, let's go. Ok, rien à signaler les abonnés. On va aller checker les escaliers. Let's go. Oh, les abonnés, Wizard Golden Freddy. Ok, il est là. Ok, il est, ok, alors. Ok, ça veut dire qu'il va arriver dans Minecraft. Les abonnés, je vais vite vous expliquer. Ok, let's go, je suis de retour. Ok, il y avait Resurrect Golden Freddy. Il est passé où, monsieur YouTube? Monsieur YouTube, t'es où? Monsieur YouTube, je suis là, je suis en okay, bas. Ok, alors Resurrect Golden Freddy, est-ce qu'il est vraiment dangereux? Oui, il est dangereux, hein, je suppose. Pas vraiment en fait. Ça va? Déjà, il est limité. Donc en termes de mouvement, tu vois. Enfin, je sais pas si t'as vu, mais okay. Il est souvent assis sur lui-même. Ok. Mais okay, en okay. Fait, ce qu'il fait, là, c'est debout, qu'il peut envoyer. Là, il était debout, hein. Quoi? Là, il était debout. Bah, hein. S'il est debout, il est dégéné parce qu'il peut se téléporter. Je ne déconne pas là-dessus.
Ok les abonnés, alors là c'est vraiment ok. Alors là c'est vraiment très inquiétant ce qui se passe. Parce qu'il t'envoie des sortes d'ondes et enfin il peut te prévenir aussi, enfin ça okay. dépend de son humeur. Ok ok, alors ok, je vous explique un petit peu comment ça va se passer maintenant. En gros, les animatroniques, pour les empêcher d'atteindre ma salle setup, bien il faut que je les empêche de rentrer dans la villa. Donc là, si Resurrect Golden Freddy est apparu chez moi, ça veut dire qu'il va pas tarder à apparaître sur Minecraft. Donc on va commencer à checker vite fait les caméras. Ok, caméra 4, rien à signaler. Ok, on continue de checker, caméra 5. Ok, bon c'est après la même caméra. Caméra numéro 6, on va faire le tour de la villa comme ça. On passe à la caméra numéro 7. Ok, toujours rien à signaler. Ok, ok, on fait le tour tranquillement comme ça. Caméra numéro 8, vérifie bien nos tours. Ça pourrait se cacher à un endroit, tu vois. Ok, let's go, caméra numéro 9. Ok, ok, rien à signaler encore une fois. Ok les abonnés, j'en suis à la caméra numéro 22 et toujours rien à signaler. On approche bientôt de la fin. Let's go, caméra numéro 23. Wow, ok, ok, Resurrect Golden Freddy's, il est là, regardez-le. Il se passe quoi, il se passe quoi? Vision nocturne, il est là, il est là, il y a Resurrect Golden Freddy's à la piscine. Ok, ok, c'est bon, ouais, ouais. Il est assis? Ouais, il était assis, il était assis. Attends, vas-y, viens, attends, je check chez moi maintenant. Vas-y, go, 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 je vais aller voir moi à la piscine. Est-ce que tu y es toi à la piscine, monsieur YouTube? Je le vois, mec. Tu le vois? Il est là, il est là? Ouais, ouais. Attends, je m'approche. Oh, il est juste en face de nous. Il risque rien, parce que quand il est assis, j'ai quand même approché. Ok, vas-y, approche-le. Quand il y a moyen que quand je le touche, il disparaisse parce que je crois qu'il est ultra. Ok, ok, je t'observe. Vas-y, je le touche. Oh, il a disparu! Mais c'est bon, il a disparu! Ok, 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 vas-y. On retourne à la salle de surveillance. Ok, let's go. Voilà, je me suis coincé comme un débile ici. Ok, let's go. Salle de surveillance, je vais checker les caméras chez moi les abonnés. Je check les caméras chez moi. Caméra couloir. Ok, rien à signaler. Caméra escalier. Oh, il court. Oh, il arrive dans mon appartement. Ok, ok. Par contre, il est quand même réveillé. Attendez. Ok. Je sais pas s'il faut. Non. Ok, attendez. Ok, il faut qu'on fasse un truc. S'il arrive dans mon appartement. Ok, je l'entends dans mon couloir. Ok. Faut pas qu'il atteigne ma salle setup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va barricader la villa. Monsieur YouTube, faut qu'on barricade la villa. Faut pas qu'il puisse rentrer ici. Ok. Vas-y, let's go. Vas-y, commence à barricader. Attends, faut que je prenne des blocs et tout. Je vais aller chercher tout ça, les abonnés. Ok, let's go. Et vas-y, envoie du verre trempé parce que franchement, là, j'ai que du verre normal en fait. Je me dis, c'est pas fou. Let's go. Ah, c'est pas ouf, effectivement. Ouais, envoie du verre trempé. J'en ai pas beaucoup. Je crois que je peux que te donner un stack. Ok, j'ai tout verré sur les cams. Ah, ok. Ouais, vas-y, alors, qu'est-ce qu'il y a sur les cams? T'as vu des choses ou pas? Bah, effectivement, je sais pas, j'ai pas vu grand chose en fait. Je crois que c'est plutôt de l'autre côté qui se passait les choses. Ah, ouais, non, nous, il y a eu Resurrect Golden Freddy's. Hein. Et en plus, il est chez moi là en direct. Donc là en gros ce qu'il faut se passer, c'est qu'il faut absolument pas qu'il rentre dans la villa. Parce que s'il rentre dans la villa, en gros il va pouvoir atteindre ma salle setup. Là en gros le but c'est vraiment, genre en gros je dois lutter contre les animatroniques dans Minecraft pour pas qu'ils atteignent bien en fait ma salle setup et qu'ils viennent me voir simplement. Voilà, donc en gros c'est un petit peu le but de cette vidéo, c'est très flippant. Let's go, ok. Bon, il faut absolument boucher toutes les entrées possibles et inimaginables de cette villa par des vitres en verre trempé. Donc voilà, let's go. Hop, voilà. Ouais, comme ça tu vois on les verra s'ils arrivent. Ouais, alors ici c'est bon, normalement ils peuvent pas passer par ici. Let's go. On est en train d'absolument tout reboucher. Hein, il faut vraiment bien tout reboucher les abonnés. Let's go, on protège la villa. Ok, ici. Alors ici. Ok, let's go. Fermé. Hop. Voilà, ici c'est fermé. Voilà, vraiment tout est en train d'être fermé. C'est bon, vous arrivez bien à tout fermer ou pas? Ouais. Ok, let's go. Là-haut peut-être. Là-haut, il y a peut-être la chambre de monsieur YouTube, faut peut-être. Fermé, ok, il y a toutes les enclumes. Bon, en vrai de vrai, les enclumes, je pense que ça bouche le passage. Hein. Ouais, ça bouche le passage, quoique. Ah, il peut passer peut-être par là. Hein. Attends, on va aller boucher quand même par là. Vas-y, mon ref, je vais y aller. Let's go. Hop, c'est parti. Je vais boucher là. Attends, comment je peux boucher? Là, je pense qu'on est pas mal. Normalement, ouais, mais qu'est-ce que tu fais, Jack? Il a allumé. Enfin, il est. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Ok, bon, je pense en vrai, on a bouché toutes les entrées possibles de la villa. Je l'espère en tout cas. Vous pensez que c'est good ou quoi, les autres là, Jérôme, tout ça? On a géré une petite zone de sécurité. Ok, let's go. On est en train de faire un petit portique, tu vois, quand tu montes en haut. Ok, vas-y, carré, mais... vas-y, je remonte. Let's go, ok. Ah, ici par contre, faut fermer ici, regarde. Let's go, on a même pas fermé l'entrée principale, celle carrément qui a atteint la salle où on est en fait. Les abonnés, pendant qu'ils sont en train de sécuriser la salle et bien des caméras de surveillance, nous on va checker les caméras chez moi. Let's go, c'est parti, escalier. Rien à signaler les abonnés, on regarde bien tout à l'heure, c'est là qu'il s'est passé quelque chose. Voilà, pour l'instant rien à signaler. Maintenant couloir. Ok, porte de salle de bain qui s'ouvre. Porte de salle de bain enfant qui s'ouvre. Ok. On va aller checker la porte. Oh, Y'a Foxy de FNAF. Y'a Foxy, il est là. Ouais. Ok, attends, je vais aller vérifier. Ok, les abonnés, je vais vérifier s'il n'y a pas Resurrect Golden Freddy ni Foxy dans mon couloir, puisque c'est deux, ils sont. Ok, j'arrive. Les gars, il faut que je me dépêche.
Foxy, 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 aïe. Je me suis cogné, ok, ok, ok. Il y a l'air de rien avoir. Ok, Foxy n'est pas là. Je vais les checker derrière la porte. Ok, on s'approche doucement. On s'approche doucement. Ok, j'allume la lumière. Derrière la porte. Rien. Ok, rien à signaler. On va retourner devant le setup, les abonnés. Les abonnés, je suis de retour. Pas de traces de Foxy ni de Resurrect Golden Freddy dans mon couloir. C'est plutôt rassurant, mais ils y étaient. Enfin, en tout cas, je sais que Resurrect Golden Freddy est rentré chez... Wow! What the f... Mais c'est quoi les abonnés? Wow, 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 wow! Il y avait Foxy, il y avait Foxy, il y avait Foxy. Ouais, il y avait Foxy, wow. Foxy, Foxy, Foxy. Mais what? Mais où est-ce que... Mais... Monsieur YouTube, Foxy, est-ce qu'il est dangereux comment? Il est dangereux comment? Bah, Foxy ultra dangereux, déjà, c'est l'animatronique qui court le plus vite. Et en fait, comment il a pu rentrer dans la villa? Instable, je sais pas. Et on va checker les caméras de la villa, on va checker les caméras à l'intérieur de la villa. J'ai une idée d'où il peut être. Enfin... Foxy, il a un crochet, c'est Capitaine Crochet. Ouais, vas-y, dis-moi. Rigolo. Ouais, dis-moi. Ça se trouve, il était dans la salle des abonnés. Ah, j'avoue. Ah ouais, mais. Ah, il y aurait peut-être un accès. Ah, j'ai pas placé de caméra en plus là-bas. Attends, on va checker les caméras dans la villa. Je vous propose de commencer avec des caméras à l'intérieur de la villa. Du coup, 15, ok, la salle à manger, rien à signaler. Caméra 16, 17, rien à signaler. 18, j'essaie de checker assez rapidement. 19, 20, ok, salle cinéma. 21, c'est l'autre côté de la salle cinéma. 22, l'autre côté. C'était qui? Ok, ok, attendez, regardez. Ok, 22, il y a un animatronique. Alors, j'ai pas eu le temps, attends. 23, attends, 23, c'est pas possible. 24, attends. Attendez, 25, je me mets en vision nocturne. 26, ok, j'arrive pas à le voir. 27, ok, oh, je l'ai eu le temps de le voir très peu de temps. 28, ok, dans le grenier, rien à signaler. Ok, attendez, j'essaie de checker. Ok, caméra 16, ok, je crois que c'est Sprint Trap. Derrière toi. Ouah, y'a Sprint Trap. Ok, caméra 17, caméra, oh, je suis perdu dans la caméra. Non, c'est pas elle. Je vais sortir la caméra. Ok, monsieur YouTube, t'es juste ici. Ok, y'a Sprint Trap. J'ai eu la peur de ma vie. Wow. Y'a Sprint Trap, il est où et tout. Attends, on va descendre. Y'avait Sprint Trap, je vous jure qu'il y avait Sprint Trap. Ok, il est là, regardez. Il monte à l'étage. Il est là, il monte à l'étage. Oui. Ah non, il est là, il est derrière moi. Il est où? J'entends des bruits de respiration. Ah ok, t'entends les bruits de respiration Sprint Trap. Je l'entends. Ok, les abonnés. Ok. Attendez, je vais checker la caméra chez moi. Ok, où est-ce qu'il est? Il est là. Il est juste ici. Ah! Oh, il est effrayant. On se barre. Il est passé où? Vas-y, viens là, Sprint Trap. Il est où, mais? En fait, on a tout barricadé. Il a disparu? Non, il est juste ici. Attends, il faut qu'on se mette. Venez, on se réfugie à la cinéma. Y'a Blo, la salle des abonnés, on peut peut-être se cacher. J'entends du bruit dans mon couloir. Je check les caméras de mon couloir. Y'a Sprint Trap en train de ramper dans mon couloir. Les abonnés, ok, il faut qu'on le fasse sur de la villa. Vite, avant qu'il atteigne ma scène setup. Vite, faites-le fuir. Ok, tirez-le dessus. Ok, mais vous arrivez même pas à le toucher. Ok, on le voit prendre des dégâts. Ok, faites-le fuir, il va fuir. Ok, what? Il s'enfuit par le garage. Est-ce qu'il va réussir à s'enfuir? Le garage est ouvert. Wow, il est passé par où? Il s'est enfui? Il est passé par là. Bah oui, il y avait pas du verre trempé partout. Mais si, je l'en avais mis. Ah ouais, mais ouais. C'est une erreur de ma part, les abonnés. Attendez, je vais checker le couloir. Ok, Sprint Trap n'est plus là. C'est peut-être par là que Foxy est entré aussi. Les abonnés, alors c'est une bonne nouvelle. C'est peut-être que quand je fais fuir les animatroniques de ma maison dans Minecraft, ils fuient aussi dans la vraie vie. Bon, du coup, on va pouvoir retourner à la salle des caméras de surveillance. Ah non, juste avant, il faut qu'on répare le garage. Faut qu'on mette du verre trempé dans le garage. Parce que sinon, des animatroniques vont revenir. Du coup. Oui! Y'a Chica! Chica? Chica est là! Le poulet! Ok, attendez. Chicken! Ah! Attendez, évitez de la regarder. Regardez là-bas, on se tourne tous vers le mur. Tout le monde est tourné vers le mur. Oh là 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 là! Ok, elle s'est avancée. Alors, j'ai eu le temps de la voir. Genre, vraiment, là, c'était la poupée de Squid Game, je la dégommais. On se retourne tous vers le mur. Retournez-vous tous vers le mur. Je viens de te consoler ou quoi, oui? What? Elle est passée où? Ok, attendez. Ok, je sais pas où est-ce qu'elle est passée. Wow. Attendez, je vais checker chez moi. Escalier, rien à signaler. Ok, couloir, rien à signaler. Pour l'instant, rien à signaler, les abonnés. Salle setup. Wow! Y'a Chica, elle est juste là! Ok. Attendez, je vais essayer de vous filmer ça, les abonnés. Oh, elle vient disparaître. Attendez, what the fuck. Attendez, je prends mon portable, je vais filmer ça. Les gars, vraiment, je vous filme. Rien à signaler.
tout a disparu. C'est vraiment ultra étrange. Je sais pas trop ce qui s'est passé là. Ok les abonnés, je suis de retour. Ok, où est-ce que Chica? Chica est plus là? Vous l'avez pas... Ah! Chica est là! Chica est là! Chica est là! Chica est là! Mais pourquoi vous m'avez pas prévenu? Elle vient d'apparaître! Elle vient d'apparaître! Ah ok 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 ok. Il y a Chica juste ici, regardez là. Il a pop. Alors j'ai l'impression qu'elle avance justement si on se tourne. Tourne, attends, mettez-vous derrière le mur. Attends, mais on se met derrière le mur comme ça on voit pas. Ok. 1, 2, 3. Ok. Et en fait elle avance uniquement qu'on regarde pas. Ok, il va falloir la faire fuir. Tirez dessus. Oui. Elle est là, tirez dessus. Ok, tirez dessus. Ah, mais attendez, comment on va faire? Ok. Ouais, il paraît sur moi. Elle prend zéro dégâts, fais attention. Ouais. Ok, il va falloir se barrer. Ok. Wow, mais elle prend zéro dégâts en fait. Ok. En vrai, quand on la regarde pas. Wow. Aïe, oh, elle m'aime trop cher. Ouais. Ok, je balance la grenade. Ouais, grenade, attention, grenade flash. Ok, c'est explosé. Ok. Elle repart. Chica repart. Ok les abonnés, est-ce qu'il va repartir par là? Il a pas mis le flash hein. Ok, go réparer la fenêtre. On va mettre vraiment du verre trempé partout genre. Attends, vas-y, fais attention, on rentre. Ok, vas-y, go mettre du verre trempé partout. Vas-y carré, attention, go mettre du verre trempé partout. Let's go. Ok, vas-y, c'est parfait. Hop, voilà, du verre trempé partout les abonnés. Ok. Monsieur YouTube, je sais pas où ce qui est passé. Monsieur YouTube, t'es où? T'es à la salle des caméras? Tu vois, non, je suis en bas. Ouais, salle caméra. Ah, ok, vas-y, carré. Vas-y, on arrive. Ah, mais oui, t'es là. Attends, ah oui, t'es là. Ok, c'est bon, t'es là. Ok, vas-y, let's go. Ok, les abonnés, alors là, c'est vraiment chose qui est en train de se passer. Bon, du coup, on va continuer de checker les caméras. Wow, coupure de courant. De courant, ok, il y a encore des lumières. Diablo, le PC s'est éteint. Il y a les PC qui s'est éteint. Oh là là, il y a une grosse coupure de courant. J'espère que les caméras fonctionnent toujours. Alors, il y a les lumières de secours, ouais, qui sont toujours allumées. Ça, c'est genre le générateur. Du coup, on a un générateur en fait de secours qui prend le relais. Alors, ici, c'est cassé, je sais pas trop pourquoi. Il y a un générateur de secours qui a pris le relais, mais ça, c'est des petites lumières. Ok, on va checker les caméras, caméras extérieures. Les abonnés, il y a Funtime Freddy. Funtime Freddy, il est là. Il est où? Il est juste là, ok. Wow. Je vais checker. Ok, couloir, let's go. Ok, couloir chez moi, rien à signaler. Ok, on va checker maintenant, escalier. Let's go. Ok. Wow. Oh là, le screamer. Wow. Ok, Funtime Freddy qui était là. Wow, ok, je suis de retour. Wow, oh, j'ai chaud les abonnés. Ok, il est devant. Il est où? Il est juste là devant. Ok. Jérôme, t'es où? T'es passé où, Jérôme? Oui, il a pété. Jérôme, t'es passé où? Jérôme, t'es passé où? Je suis dans ma cave. Ok, il est parti dans sa cave. Nous, on va aller dans la salle des abonnés. Venez, on va dans la salle des abonnés. Je l'ai condamné, la salle des abonnés. Mince. Ok, où est-ce qu'on va? Dans la chambre de Léo. On peut aller dans la salle, elle est toujours cassée. Ok, chambre de Léo. Ok, c'est cassé là. Ok, attends. Wow, je sais pas où est-ce qu'on va. Ok, est-ce qu'il est toujours là? Jérôme, monsieur YouTube, vous êtes où? Bah, moi, je suis dans la salle des abonnés. Moi je suis descendu dans mon grenier. Ok, je descends. Ok, vas-y, viens dans la salle des abonnés. Elle est plus condamnée. Ok, on redescend. Ok, let's go. Je descends. Ok, je suis dans la salle des abonnés, les abonnés. Oh là là. Je galère. Ok. Ok, let's go. Ok, c'est bon, Jérôme est là. Il manque Jack. Où est-ce qu'il est passé, Jack? Jack a disparu. Ok, on va remonter tranquillement. Jack. Ok, je sais pas où est-ce qu'il. Si. Où est-ce qu'il est passé? C'était Funtime Freddy. Wow, c'est quoi ça? Monsieur YouTube, viens. Ah! Monsieur YouTube, viens. Y'en a un, je sais pas le reconnaître, c'est quoi ça? C'est quoi celui-là? C'est United Freddy. United Freddy! Ok, les abonnés! Ok, là c'est vraiment inquiétant. Oh là là là, j'entends beaucoup de bruit dans mon. J'entends beaucoup de bruit! Il a explosé le hall! Ah! Ok les abonnés, faut que je trouve un endroit tranquille. Faut checker chez moi, j'entends du bruit chez moi. Ok, je vais descendre dans la salle des abonnés. Ok, wow, ok, faut faire attention. Est-ce que la def sera pas mieux dans le bunker? Je sais pas, je descends tout en bas. Ok, go sur le bunker de la montagne, non? Ok, je descends tout en bas, let's go, ok. Tu veux pas qu'on est sur le bunker de la montagne? Non, t'inquiète. Attends, ok, je check. Viens. Viens, va au bout du couloir là-bas, on sera dans le nord, il nous verra pas. Ok. Je vais dans le bout du couloir, ok. Les abonnés, je vais checker chez moi. Dans le quoi? Je vais checker chez moi. Ok, let's go. Ok. Caméra numéro 1 dans mes escaliers. Wow. Ok. Un deuxième. Wow, les abonnés. Ok, ok, je vais arrêter la vidéo,
Oh, ok, vient de disparaître. Ok, je vais checker. Je suis de retour, rien à signaler chez moi, mais je pense qu'on va arrêter cette nuit. Hein, je pense qu'on va arrêter tout de suite tout ça. Parce que là, c'est vraiment beaucoup trop dangereux. En plus, il va commencer à faire jour. Je pense qu'il va commencer à faire jour d'ici peu longtemps. Enfin, pas longtemps, parce que voilà, le soleil va pas tarder à se lever. Donc, let's go. On va attendre un peu. Je check. Ok. Oh là là, c'est tellement détruit partout. On va faire gaffe, les abonnés. Oh, je suis tombé dans le sol. Ouais, moi aussi, je suis tombé dans le sol. Attends, je vais remonter avec toi. Let's go. Ok. C'est comme je le disais, voilà, le soleil est en train de se lever, j'ai l'impression. Ouais. Oh, t'es là, Jack. Oh, j'avais cru que t'avais disparu, frérot. Oh, wow, c'était qui ça? Je sais pas, ça devait être encore lui. Ok, bizarre. Ok, bref, les abonnés, on va arrêter cette vidéo là parce que ça devient beaucoup trop dangereux. Vraiment, là, je me suis fait attaquer de partout. Donc, les abonnés, un grand merci à Screamex, à Azuro et à Spartax de m'avoir aidé à réaliser cette vidéo. C'est une vidéo extrêmement longue, mais j'espère qu'il vous plaira. C'est une vidéo très spéciale. Five Nights at Freddy's dans la vraie vie, c'est incroyable cette vidéo. Je sais pas si beaucoup de vous la verront, parce que voilà, Five Nights at Freddy's, faut quand même être un peu connaisseur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça a été un réel kiff d'avoir fait cette vidéo. Je pense qu'on va arrêter là parce que c'était vraiment dangereux. En tout cas, bye tout le monde, les potos, je vous aime et à très très vite pour des prochaines vidéos. C'était vraiment un plaisir. Je crois qu'il y avait une autre personne aussi qui m'a aidé, il y avait Natsuko aussi à faire cette vidéo. Donc voilà, bye tout le monde, les potos, je vous aime et à très très vite pour des prochaines vidéos. I'm gonna be free.